poursuit avec la très réputée chorégraphe de danse, Mélanie Athem. Mélanie, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Écoute, tu es ici pour nous parler de plusieurs choses. Ça fait très longtemps que tu fais de la danse, mais je veux qu'on commence par parler de quelque chose qui est quand même assez particulier. Tu as fait les chorégraphies pour le jeu vidéo High School Musical Sing It. Oui, c'est en plein ça. J'ai fait les chorégraphies pour le jeu vidéo et j'ai aussi fait la capture de mouvement. Donc, j'avais des petits capteurs un petit peu partout. Et donc, les personnages dans le jeu, quand ils dansent, c'est moi qui danse. C'est donc bien drôle, ça. Ça veut dire qu'ils t'ont approché pour pouvoir faire la chorégraphie, mais tu l'as pas seulement inventé, tu l'as littéralement fait. Je l'ai dansé aussi, oui, c'est ça. Puis comment ça fonctionne? Ça, là, on peut voir des images un peu sur les moniteurs ici. Ils te mettent un espèce d'ensemble. Oui, c'est un unitaire de velcro, dans le fond. Okay. Et puis, il y a plein de petits capteurs de mouvement partout sur la tête. J'ai même un bandeau. Et puis, il y a des capteurs partout. Et puis, après ça, c'est tout connecté avec leur système informatique. Donc, je me mets à danser. Et puis, ils enregistrent tout. Est-ce que tu as aimé ça, l'expérience? Ah, j'ai adoré l'expérience. C'était vraiment incroyable. Je me voyais sur l'écran en même temps. Donc, de me voir danser, c'était vraiment plaisant, oui. Ça veut dire que, comme tu as dit un peu avant, si moi, je loue le jeu puis je fais danser mon bonhomme, c'est toi qui danse pour vrai. C'est moi qui danse. J'ai engagé aussi un danseur au nom de Nicolas Archambault. Okay. Lui était le squelette pour l'homme et moi j'étais le squelette pour la femme. Et puis c'était mes chorégraphies par contre. OK, c'est ça. C'est toi qui étais chorégraphie et tu as aussi une école de danse qui est l'Académie de danse de Montréal. Oui. Comment t'as trouvé ça, faire une chorégraphie, inventer une chorégraphie pour un jeu vidéo, contrairement à inventer une chorégraphie pour, mettons, ton cours de danse? Ben c'est sûr, il y a des restrictions pour faire la capture de mouvement. Okay. Donc, je peux pas travailler sur le sol. Aussi, c'est sûr que la technologie, je peux pas faire tous les mouvements, les pirouettes, ouais, et tout ça, le bandeau s'enlève et tout ça. mais je veux dire, ça a juste été vraiment génial. Qu'est-ce qui était le fun aussi, c'est que c'était en collaboration avec Disney Interactive. Okay. Donc, tout le matériel, je faisais les chorégraphies. La compagnie de production qui était A2M, venait me filmer en studio. Et puis, par après, ils envoyaient tout le matériel à Disney Interactive. Et puis, c'est eux qui avaient le dernier mot. Donc, c'est eux qui faisaient les suggestions, les commentaires et tout ça. Donc, juste le fait de travailler avec A2M et Disney, c'était vraiment génial. Ça devait vraiment être particulier comme expérience, danser pour un jeu vidéo. C'est quand même pas tous les jours qu'on voit ça. Pour un jeu vidéo, et aussi le fait que c'est High School Musical, qui est tellement populaire au travers le monde. Et puis, oui, et que le jeu aussi est sorti au travers le monde aussi. Ça, c'est juste le fait que le projet était aussi gros, c'était magnifique pour moi. C'est sûr. Puis tout ça, justement, tu dis que ça a été magnifique pour toi. Écoute, je disais un peu sur toi aujourd'hui. Mon Dieu, tu danses depuis toujours. Oui. C'est hallucinant. Écoute, je disais ça aujourd'hui à 8 ans. Tes parents t'ont inscrit dans un programme. À 12 ans, tu faisais partie des ballets de jazz du Québec. D'une troupe, oui. T'as toujours voulu danser? J'ai toujours voulu danser, mais par contre, il y a eu un temps que j'étais pas certaine qu'est-ce que j'étais pour faire avec ma vie. Je veux dire, j'allais à l'université à McGill, puis en même temps, j'étais un professeur, donc j'étais pas certaine de qu'est-ce que j'étais pour faire. Mais quand j'ai décidé que j'étais pour ouvrir une école et que je voulais être chorégraphe professionnel, je veux dire, la lumière était bien allumée, je savais exactement où que je m'en allais, oui. Puis j'ai décidé de foncer. Puis je veux dire, je suis sûre que c'est la bonne décision. Je suis passionnée et j'adore ça. Ben écoute, ça paraît que t'es passionnée parce qu'aujourd'hui, tous les gens dans le public, c'est tes élèves qui étaient vraiment... Il y avait vraiment très, très hâte de te voir. Mélanie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était vraiment un plaisir de nous parler de High School Musical, d'une expérience un peu particulière. C'est très gentil. Bien, à demain, Mathieu.